Je suis en train de réfléchir parce que je le trouve un petit peu encombrant en fait. Parce que je vais vous montrer. Alors ici en fait, toute cette partie-là, elle prend vraiment trop de place. Alors ce que je pense faire, c'est découper une partie pour qu'il soit beaucoup moins épais. Et du coup, en fait, bah là, je vais gagner bien 20 cm sur la largeur du canapé. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais souhaiter moi bonne chance parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien marcher ou pas? J'en sais rien. Ça va être le grand test. Allez, c'est parti. Me voilà munie avec ma scie. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Je vais le tourner et je vais couper de l'autre côté. Voilà, je vais y aller. Je sais pas comment je vais faire mon compte, mais il faudra qu'il soit coupé.
j'ai enlevé toutes les miettes, parce qu'il y a plein de miettes qui sont rentrées. Je vais couper les trucs en bas. Et puis voilà, mon beau canapé. Je vais aller chercher mes ciseaux. J'ai de la chance. Voilà. Allez, go. Choses en dessous pour s'humidifier. Je sais pas encore comment, mais. Ah, ou plus tard, ça ira. Chercher une poubelle, je vais tout virer tout ça. Après mes péripéties, là j'ai récupéré, en fait c'est le carton que j'avais utilisé par terre pour protéger le sol. Ça ira bien en dessous. Tout ça c'est le carton qui était déjà sur un canapé. Et je vais enlever d'ailleurs un petit peu toute la colle là qui reste, parce que ma bête. Je vais passer un petit coup plus tard dessus. Je vais mettre de côté et je vais positionner celui-là par terre. Je vais venir mettre mon canapé dessus. En fait, l'avantage de ce carton, c'est qu'il est assez épais, mais en même temps, il
il a été aplati parce que j'ai marché dessus plein de fois. Du coup, au niveau résistance, il sera super. Et il va pas me surélever le canapé parce qu'il est déjà un peu grand pour moi. Je touche pas les pieds au sol et c'est désagréable pour moi. Alors là, si je rajoute encore une épaisseur en plus, bah, ça va pas être. Voilà, ça va faire trop pour mes petites jambes. Donc c'est pour ça que j'avais peur pour là, donc il fait bien l'affaire. Pardon le voisin. Alors, voilà. Je vais le mettre bien à sa place comme il faut. Je vais passer la colle tout autour et après je vais attendre que ça sèche. Une fois que ce sera sec, là, je vais couper autour. Je vais le faire maintenir ici. Puis après en bas, je vais faire avec du papier craft. Hein. Cette plaque là, je vais en coller aussi du côté là, enfin des deux côtés, hop là. Oups. Et donc en fait je vais décalquer une forme et une autre, une d'un côté, une de l'autre. C'est bon. Le petit bout là qui est grand. Après une petite pause repas, je reprends la suite de mon canapé. Alors là, je révise avec moi qui surveille l'évolution des travaux. Alors, j'ai découpé deux formes comme ça. J'ai tout simplement décalqué mon carton et j'ai décalqué. Donc, le but, ça va être de couvrir ça qui est pas très sympa. Alors, comment je vais m'y prendre? J'ai fait, donc c'était des petits bouts que j'ai récupérés de tout ce que j'ai réussi à couper là tout à l'heure. Je vais les prendre. Je vais les coller ici. Le but c'est que j'ai de quoi ancrer mon morceau de carton ici. Donc c'est parti. Aussi. Hop. Et maintenant j'appuie. Je vais carrément m'asseoir à côté. Hop.
poser mon morceau. Donc là, j'utilise tout ce que je peux, mes pieds, mes mains, du mieux que je peux. Le but, c'est que ça tienne, tout simplement. Placer une minute dans la position là. Fait, je vais faire l'autre. J'ai Rélise qui se cache derrière. En fait, ce que je vais faire carrément, j'ai ça. C'est un tissu adhésif que je vais utiliser comme un gros sparadrap. Sur des points stratégiques parce que ça sert à rien de faire beaucoup. Je vais vraiment là où ça dépasse un petit peu. Le but, c'est de faire un collage préalable. Je ne sais pas en fait si j'ai assez de scotch pour faire tout ce que je veux avec. À mon avis, non, parce que. Alors, ce que je vais faire, je vais le privilégier aux endroits les plus importants. Comme ici. Voilà qui est fait. Normalement, je vais faire en dessous et tout. Donc là, je vais crafter. Donc c'est cool, il me reste encore quelques bâtons de colle, donc ça me voit que j'étais bien. Hop. Alors, on n'est pas obligé de le poser en un seul bloc, là, le papier craft, on peut faire deux traits. Hein. Je le fais parce que j'ai envie d'aller plus vite, mais parfois, bah, si c'est trop long et que... Il risque d'être sec avant qu'on ait fini de le poser à un autre bout. On peut faire deux morceaux.
ça y est, j'ai terminé de ranger mes affaires. J'ai tout placé au bon endroit, ce que je voulais. Enfin, presque, il y a encore des petites choses à faire, mais voilà, c'est presque fini. Et bah, je vais vous faire un tour de mon salon pour vous montrer. Et voilà, je vais m'occuper de mon canapé. Alors, j'ai un gros tas de laine que j'ai pu récupérer grâce à une association. Et donc je vais m'en servir pour couvrir mon canapé. J'ai branché mon pistolet à colle et je vais vous montrer tout ça. Je vais prendre ma laine, je vais l'étaler et en fait je vais chercher les morceaux de laine qui vont bien se combiner ensemble pour que ça fasse joli. Alors il y a un peu toutes les couleurs. Je vais essayer de trouver une solution pour que ça fasse joli. Combiner tous les morceaux de laine, puis que les couleurs ressortent bien les unes avec les autres. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais encoller au pistolet, point par point, pour que les morceaux de laine soient bien aplatis sur le canapé. Et aussi, je vais enlever toutes les petits bouts, les fils, tout ça, là, qui se détachent. Donc, j'ai un peu pas sur la planche. Alors voilà, ça y est, une heure après, j'ai enfin réussi à me décider sur la position de mes morceaux de laine. Donc je vais les garder comme ça. Ceux qui sont par terre, en fait, c'est parce qu'ils vont là, mais ils ne tiennent pas vertical, quoi. Enfin bref, voilà, maintenant je vais les coller. Alors j'espère que ça va marcher avec le pistolet à colle, j'en sais rien du tout. En tout cas, j'ai mis à chauffer et j'ai ma provision de bâton de colle. Donc c'est parti. On verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça va bien tenir. J'essaie de les garder en place parce que je veux plus. Enfin voilà, j'ai cherché longtemps avant de trouver la bonne position, donc voilà. J'aurais dû enlever les fils. Bon, maintenant c'est trop tard. Non, je peux encore. Je vais m'amuser toute l'après-midi à faire ça. Alors là, j'appuie doucement dessus, juste pour plaquer la laine sur la colle. Mais le but, voilà, c'est pas ni de tirer dessus. Il faut vraiment juste la... Enfin, moi, ce que je fais, vraiment, je la pose tout doucement. Je la plaque bien, pour qu'elle adhère bien dans le point de colle. Mais sans plus, quoi. Alors, j'ai le soleil qui est en train de se coucher tranquillement. J'espère qu'il y a assez de luminosité. J'ai utilisé quasiment un bâton de colle par morceau de laine. Donc là, une fois que j'ai collé un morceau de laine, je vais vérifier tous les endroits où ça se décolle un petit peu, les bordures, et puis je vais rajouter des morceaux de colle. Là, je vais continuer, puis une fois que ce sera terminé, probablement demain, je vous montrerai tout ça. Merci. Ça y est, je viens de terminer mon canapé. Là, je suis assise dessus. Je vais me lever et je vais vous montrer tout ça.
Voilà. Je vais enlever les coussins. Okay. Donc, en fait, je suis super contente du résultat. Parce que j'avais un petit peu peur au début, je me suis dit ouais, ça va faire bizarre, ça va faire trop coloré, et puis finalement ça, enfin voilà, je trouve que ça passe quand même. J'avais beaucoup d'appréhension quand j'ai commencé le chantier parce que couper un canapé, un morceau de canapé, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Mais bon voilà, le résultat est plutôt. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, je ne veux pas vous influencer, mais voilà, le résultat est quand même assez sympathique. J'ai quasiment rien dépensé pour me faire ce canapé. J'ai juste été chercher du carton. Les morceaux de laine, je les ai récupérés, mais après on peut toujours recycler des vieux jeans troués ou abîmés qu'on met plus. Des vieux pulls. Voilà, si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être pris des vieux habits et ça aurait marché aussi. Donc voilà, comme quoi avec le recyclage on peut vraiment faire des trucs super sympas. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis bye bye.